Citoyens des étoiles, bonjour et bienvenue dans cette vidéo tuto. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble et en détail le système de location mis en place pour Star Citizen. Dans le jeu, comme vous avez déjà pu le remarquer, il y a beaucoup de vaisseaux. Et ils ont tous une particularité propre et c'est souvent difficile pour un nouveau venu de démêler tout ce bordel. Vous venez d'arriver sur le jeu ou vous commencez seulement à vous intéresser après un vieux pledge? Cette vidéo est faite pour vous. Imaginons que vous avez pledgé le jeu dans sa version la plus basique, c'est-à-dire que vous avez droit à Star Citizen et un Aurora ou un Mustang en guise de vaisseau. Avec l'arrivée de la 3.0, vous avez déjà sans doute remarqué que votre Aurora bien aimé est vraiment un vaisseau peu polyvalent. En effet, celui-ci a peu de cargo, résiste mal aux dégâts et son armement n'est vraiment pas adapté au dogfight. Vous avez donc l'équivalent d'un gros chicon dans votre cuisine. Mais ne perdez pas espoir, je suis là pour vous aider à piloter d'autres vaisseaux. Il est difficile de se projeter dans l'avenir, de savoir quel vaisseau prendre plus tard lors de la sortie, voire même vers quoi vous orienter si vous avez envie d'investir de l'argent réel dans le jeu. Il y a énormément de choix et je vais vous proposer aujourd'hui de tester des vaisseaux que vous ne possédez pas. Pour ce faire, CIG a mis en place depuis longtemps maintenant une monnaie en jeu, et je ne parle pas des Alpha UEC qui permettent déjà d'acheter du matériel et de la cargaison dans l'univers persistant. Je parle des REC, des crédits qui existent depuis longtemps mais que beaucoup d'entre vous maîtrisent très mal. Il s'agit de crédits de location. Ils vont donc vous permettre beaucoup de choses, comme louer des vaisseaux ou encore des armes en jeu afin de les tester. Je vous vois déjà sourire de loin en vous disant « ça y est, grâce à ce type je vais enfin pouvoir voler avec un Starfarer et tenter de planter le serveur en fonçant sur Porolissar ». Certains d'entre vous devraient déjà se reconnaître. Hélas, ce n'est pas aussi simple. Je m'explique. Avant de pouvoir louer des vaisseaux ou autres, il vous faut avant tout gagner des crédits REC. Pour ce faire, il y a plusieurs solutions. Tout d'abord, si vous êtes subscriber et que vous donnez chaque mois quelques euros pour la communication de Star Citizen, eh bien vous recevrez chaque fin de mois des cadeaux sous forme de goodies ou décorations, mais aussi surtout une quantité de REC non négligeable, soit 20 000 crédits de location chaque mois. Vous pouvez aussi avoir reçu des REC d'une autre façon, tel que par exemple 5000 REC lors de la sortie de la 1.1 de Star Citizen en mars 2015. Mais la solution ultime que je vous propose aujourd'hui, c'est d'en gagner de façon illimitée, et surtout gratuitement. Et tout ce qui est gratuit, eh ben forcément, c'est gratuit. Bref, c'est ici que Arena Commander rentre en jeu. Ce module peut en effet vous faire gagner pas mal de crédits de location plus ou moins facilement. Arena Commander, pour rappel, est un jeu dans un jeu. Je m'explique, il s'agit en fait d'une simulation de dogfight ou encore de course ayant permis à CIG d'adapter des vaisseaux, ou encore des autres modèles de vol. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce mini-jeu, d'autres youtubeurs l'ont déjà fait merveilleusement et je vous invite à voir leurs vidéos. Donc, dans Arena Commander, vous aurez plusieurs mini-jeux, et seuls certains d'entre eux vous rapporteront des crédits. Pour être plus précis, seuls 3 d'entre eux sembleraient en donner. Soit Battle Royale, la Murray Cup qui n'est d'autre que la course, et le Vendul Swarm. Revenons donc à notre petit Aurora. Comme précisé plus tôt, celui-ci est un gros chicon sur un champ de bataille. Bien que certains d'entre vous arrivent à détruire des Super Hornets, je ne suis malheureusement pas de ce niveau, et surtout depuis les dernières mises à jour. Nous allons donc mettre de côté le Vendul Swarm et le Battle Royale. Il reste donc la Murray Cup. Alors je vous vois venir. Hé, sale enfoiré, l'Aurora c'est pas un vaisseau de course. Certes, je vous l'accorde. Mais je vous propose ici de réaliser des courses, seul ou avec un ami. Vous n'aurez donc pas d'adversaire possédant des M50 équivalent de vrais Ferrari pour faire un pot-au-feu de votre chicon. Vous n'aurez donc qu'à réussir au moins un tour de la Murray Cup et croyez-moi, quand on débute, c'est déjà un exploit. Réaliser cette astuce rapporte deux énormes avantages. Le premier, c'est qu'au fil du temps, vous allez grandement affiner votre pilotage, vous surprenant parfois dans l'univers persistant. Le second, c'est que vous allez gagner énormément de crédits de location, entre 300 et voire même plus de 2000 parfois. Sachez que plus la course sera longue et plus les crédits gagnés seront importants. Vous allez certes galérer un peu au début, puis la course n'aura plus aucun secret pour vous. Une fois quelques crédits dans votre poche, je vous conseille de vous diriger vers votre première location. Pour ce faire, je vous invite à vous rendre sur le site de Robert Space Industries, aller sur le store, puis sur Electronic Access. Une fois sur la page, vous aurez droit à tout ce que les REC vous permettront de louer. Mon conseil serait d'abord de louer le P-52 Merlin de Kruger. Celui-ci n'est certes pas un foudre de guerre, mais il est léger, facile à piloter et surtout ne coûte que 2000 crédits à la location. Une fois votre achat effectué, vous pourrez le retrouver dans l'Arena Commander, mais aussi dans l'univers persistant, et c'est là que cette astuce devient ultime. Vous pouvez continuer les courses afin d'accumuler de l'expérience de vol et crédits de location. Après, plusieurs choix s'offriront à vous. Soit louer un M50 qui est une vraie machine de course, soit directement louer un vaisseau qui vous fait envie dans l'univers persistant. Lors d'une de mes dernières vidéos tuto, je vous expliquais que le transport vous rendrait riche. Hélas, avec votre Aurora et votre nouveau P-52, vous n'irez nulle part. Mais CIG nous laisse un seul vaisseau de cargo en location, le Cutlass Black. Grâce à la location de ce dernier, vous pourrez enfin effectuer les allers-retours entre Yela et le Porolissar, qui ont déjà rendu millionnaires la plupart des transporteurs. Mais vous pourrez aussi louer des vaisseaux de combat puissants vous permettant d'affronter des Vanduuls dans l'Arena Commander, ou encore des pirates dans l'univers persistant.
La possibilité des RC ne s'arrête pas là, il vous offre aussi la possibilité de louer des armes et autres boucliers afin d'améliorer votre vaisseau actuel. Mais pour le moment, c'est buggé, donc ne paniquez pas si vous n'arrivez pas à les placer ou encore les utiliser. Qui dit location dit que vous devrez les rendre après une période d'utilisation. Celle-ci est fixée à 7 fois 24 heures. Je dis bien 7 fois 24 et pas une semaine, et la raison est simple. Imaginons que vous utilisez votre cutlass flambant neuf de location le lundi. Vous entamerez votre première journée d'utilisation. Comme il est 7h du matin, vous aurez droit au cutlass jusque mardi 7h également. Mais mardi, vous décidez de ne pas jouer. Vous aurez consommé une fois 24h de votre location. Si vous décidez de jouer le vendredi, vous entamerez votre deuxième période de 24h et ainsi de suite, jusqu'à l'épuisement total des 7 périodes de 24. Voilà, cette vidéo explicative est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée, si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et liker la vidéo. C'était Criminal des Black Otters pour Star Citizen.